Parfois, il y a un pile dans nous qui a un problème avec le verbe qui termine par aider. Là où on paraît, on regarde sur le tableau là où on dit, comme qu'a prononcé ça, comme qu'a prononcé ça, comme qu'a prononcé ça. This is what you are going to learn with me in this lesson. C'est ça où on va l'apprendre avec moi dans la leçon ça. Are you guys ready? Yes. Perfect. Pour identifier qui les consonnes qui ont voix, qui n'ont pas voix, mais ça n'a fait. Tout le monde va le faire ça pour moi. N'a pas deux doigts ça, n'a pas. Ok, la place est là. Nous pouvons essayer de dire phonème K, nous essayer de dire phonème N. Et bien, nous allons dire ça nous senti. Début ça qui vibration, l'oeil de EDA, la baille son D. Yeah, début pas de vibration, la baille qui sont la baille. Et ça? Loot. Très bien, loot. Comment dire? Good job. Very good. You're very good. Comment dire ça? Yo dit quel que soit verbe qui t'a terminé par yon nan lettre sa yo la. Le ajouté aider la baye son on voice consonant, c'est consonne qui bagay son qui bagay voix. Nous voulons regarder kounye a tout l'autre et lettre yo qui n'a l'alphabet pour nous connaître qui sa gen voix, qui sa pa gen voix. Nous prenons d'exemple, nous voulons prendre tout verbe yon net et quel que soit verbe manon n'a conjugué. À nous garder là. Three sounds of E. E-D. E-D. Is it poisson, E-D-A, ça? Bien, nous sommes capables de bailler. Nous allons regarder ensemble. Suis bien. Il dit que, when we have E-D in a verb, it might have three different kinds of sounds. Là, nous avons E-D dans un verbe, il est capable de trois sons. Premièrement, nous allons regarder un. Comment ça a prononcé? Le symbole ça est là si son en bail. Ça veut dire qui ça? Les majuscules ed dans verbe blanc, il capable son ed. Comment dire comme son? Ed. Il capable son d. Comment dire? D. Il capable son t. Now, when do I know when I add ed at a verb, it should pronounce or it is pronounced as an ed sound? Qui le prononce comme un ed? Il prononce comme ed. C'est là que, attendez bien, verbe là, depuis moi elle terminé par T ou bien D, attendez bien, it is pronounced as id. Je vais vous expliquer non plus bien. Quel que soit verbe lié, c'est un verbe régulier, les majorités et de là-dedans, depuis moi verbe là terminé par une dans le side. Avant de mettre id. Avant de mettre id, good job. Eh bien, la prononcer comme id. Mais attention. Moins besoin ajouter une autre syllabe, les mabdil. Regardez. Gagne besoin, comment on dit besoin en anglais? Need. Need. Mais c'est qui ça c'est tout? To need. Et mi kounia là, pas qui ça terminé? D. Pas D. Pas vrai D. Et pas D à ça? Yes. OK. Et ça, qui verbe ça est? Invite. Invite. Comment dit inviter? Invite. Invite. Allez bien, moi qui ça vous non? Invite. Invite. Bien, oui. Pas que ça a terminé. Ça. Très bien. On parlait de son. Hein. Son, c'est T, mais il n'est pas terminé par T. Non. On parle, non? It is ended by E, but the sound is T. Eh bien, si on dit invite, dernier son dans le T. Eh bien, ça, c'est l'équipe pour moi. Ça, c'est son T. Mais ça, c'est son D. Need. Pas vrai? Quand on va l'ajouter E de la dame. Les nous ajoutons E de dans need, qui ça le bam? Needed. 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 Qui ça le bam? Needed. Ok, nous allons manger ça. Je vais parler de syllabes. Nous te dit nous ajoutons E de ya, les mots terminés par T ou bien D, nous ajoutons l'autre syllabe. Si nous avons need, qui sont celles syllabes, nous avons deux syllabes, une deuxième syllabe ajoutée. Nous avons need. Needed. Nous dit need. Needed. Needed. Et ça? Nous avons invite. Invite. Kounya, est-ce que c'est de n'ajouter ou bien de? De n'ajouter. Vous seulement ajouter? D. You only add D. Pas vrai? Yes. Ok. Qui ça me dit à l'air? Nous disons c'est pas vrai? M'ajouter et de? Yes. Voilà, non? Nous disons invited, c'est ça lié? Mais les rapes américains ont dit, les papes disent invited, les papes disent invited. Mais pour qui ça c'est de? Parce que Théa n'a mis tant de voix, de son voyelle.
Ma bien sûr, non, il était là toujours. Ça veut dire, nous qui te comprenons ça. Yes. C'est ça qui est plus difficile de ça. Je vais le montrer. Je dis que qui formule qui pour ça, formule ça, dit qui ça? When the verb ends by T or D, when you add ED, it is pronounced as id. You say need, you say needed. Invited. No problem. Yes. It's okay. On nous prend ça, Kounia. Kounia, nous gagnons D. D, nous gagnons T. T. Mais nous parlons de son. Deuxième, non, ça son son. Comment tu prononces encore? D. D. Comment tu prononces? D. Fais-le légèrement. N'allez, D. D. Et ça? T. N'allez, légèrement. Mais ça qui est belle là. Et prends son nom pour nous comprendre. Comment vous dites nettoyer? Rien. Pas qui ça a terminé là? Pas vrai? Pas N. Mais l'on prononce N, non? Faut non, non. Vous dites ça? On va venir sous ça après. On va venir sous ça. C'est N qui est ça là. On prend ça. Le, regardez, pas vrai? C'est qui ça? Look. Qui ça, ça va là? Bon, son faux d'un cas, moi. N'allez. Pas un gourmet, vers légèrement. Ok, il est là. Nous sommes là, oui, pas vrai? Nous pouvons le connaître. Ça, c'est l'or, il te aide, il m'aide, pas vrai? Mais on dit qu'on y a, il y a une série de verbes, les mains, il te aide là-dedans, soit le bon de, soit le bon t. Comment on va le faire connaître qu'il est le bon de, qu'il est le bon t? On regarde. Il a dit que, pour me connaître qu'il est le bon t, après, avant, d'accord? Après ça, avant ça. Pour nous bien comprendre. Pour me connaître qui est le bon, je vais regarder les dernières lettres là. Et son. Même j'en ai fait pour nid, parce que c'est DT. Principe, ça a dit, depuis que je termine par des lettres, ça. Mais ça va dire des lettres lui-même. Quelque soit consonne qui va le paraître là, il faut analyser qui consonne ni. Voilà même. Et bien, pour me connaître, est-ce que c'est son T, le bon, ou la même, oui? On va regarder dernière lettre là. Qui donne lettre lié? Et ça, qui donne lettre lié? Comme qui donne lié? Mais il y a deux bagages pour nous connaître. Nous allons apprendre qui ça relève. Consonne qui voisée à consonne qui non voit, qui non voisée. Comment on dit voisée en anglais? On dit voice consonant. En allemand, comment on dit consonne voisée? Voice consonant. Si on dit consonne non voisée, on dit que ça? Voiceless consonant. OK. Kounya nous parle identifier qui est en consonne voisée, qui est en consonne non voisée, non voisée. Mais en général, mais ça vous captez. Principe là dit pour que le prononce comme t, faut que dernier consonant li non voisée, non voisée. Pour le prononcer comme d, faut que dernier consonant, dernier son consonant li qui ça? Li voisée. OK, nous allons apprendre ça. Qui est consonant voisé et qui est consonant non voisé? Non voisé. Let's go. OK. Now look at. On regarde. OK. En quitte tableau ça, on prend ça. OK. What you see here? Two types of consonants. Comment on dit consonne? Consonants. On dit c'est deux types de con? De consonne. Comment on dit consonne voisé? Voice consonant. Non, les voiced. Voiced. Consonant. L'oisi non voisé ou dit swamzi. Voiceless. Soisi. Voiceless. Ou bien on dit unvoiced. On a les unvoiced. Voiced consonant. Unvoiced consonant. L'oisi voiced consonant ou dit ça consonne qui gagne? Qui gagne son, qui gagne voix, pas vrai? Qui gagne son. L'oisi qui ça? Unvoiced consonant, c'est consonne qui gagne? Il y a un son, il y a une voix. On nous regarde là. When do we have voice consonant sounds? Ça vous dit là, mes amis? When do we have voice consonant sounds? Qui l'est? Nous avons une consonne qui est? Qui est voix? C'est une question sans répondre. Qui ça vous dit là? Voice consonant sounds are made when your vocal cord vibrate. En bon créole, qui ça dit là? Yon consonne gen voix, c'est là li gen yon vibration dans code vo,
code vocal là, dans les vocal codes. Vocal codes. OK. Et mais kun yan là nous pas regarder ça. Non hein? Eh? Let's practice saying the letters K and N. Nous pas prendre deux lettres dans l'alphabet, après. Nous pas prendre K et n'a prendre ça N to learn the difference between unvoiced and voiced consonant. Consonant. Qu'est-ce qu'on dit là? N'a pratiqué pendant n'a dit lettre qui lettre K avec N pour que nous qui ça nous ca apprendre différence qui gagne entre une consonne qui pas gagne voix avec une consonne qui gagne voix. On nous regarde. Est-ce que nous voyons toutes les lettres là? Premier lettre là qui ça nous est là? K. K, ouais. Qu'on y a nous pral dire, gardez bien pour nous. Là, c'est gauche là, pas vrai? N'a suivi? Là, si c'est vocal, quand on marque vocal code, code vocal là, nous pral dire qui l'a gain voix dans consonne, qui l'a pas gain voix dans consonne. Nous là, nous va identifier. Mais ça veut dire, nous va garder qu'on y a. On va garder écran. Pour identifier qui l'a consonne gain voix, qui l'a pas gain voix, mais ça n'a fait. Tout le monde va faire ça pour moi. N'a point de doit ça en aller. OK, n'a placé là. Nous pour essayer dit phonème K, n'a essayer dit phonème N. Et bien nous va dire ça nous senti. Comme qu'avant. Pas goumé. Allez, n'allez. Qui dit ça là, ouais? On prend N là goumé, bon phonème là. N'allez encore. Bon quand encore. N'allez encore. Qui qu'on fait? When do we have voice consonant? Qui l'a nous gion consonne qui gien voix? Non, ouais? Yo, si l'elle gen voix, l'elle senti gen vibration dans code vocal. Dans code vocal là. N'a tourné encore, on tourne encore. Bon, ka, bon, Edna, n'allez. Ka qui gen vibration? Oui. Tu me d'accord? Oui. On refait encore. On refait encore, refait encore. Pas goumé, doucement. Pas goumé à gauche là même, n'allez. N'allez, n'allez. Ouais, ouais, pas goumé, ah ouais? Bon, Edna, bon, Edna. Edna gen vibration. Bon, fais Edna, moi. N'allez, moi. Tout le monde d'accord? Qui ça qui vibration là? N. N, pas vrai? Ok. Eh bien, yon dit, puisque c'est N qui vibration, l'orgue de EDA, ou a prononcé comme D. Début ça qui vibration, l'orgue de EDA, la baille son D. Yeah. Début pas qui vibration, la baille qui sont la baille. Kounya nous voilà là. Puis qui ça me dit tout à l'heure? Me dit ça ou a bon l'autre syllabe qui ajouté? Me dit ni ça c'est un, pas vrai? Les m'ajouter un des albums ni dead. Ça pas bien syllabe qui ajouté. Ou kimbel ou ajouter son. Yes. Très bien garçon, très bien. Et ça. Très bien, look. Comment dire? Good job. Very good. You're very good. Comment on dit ça? Look. Look. Est-ce qu'on dit looked là? No, look. Nous allons pratiquer. Nous allons regarder qu'on y a tout lot et let's yo qui n'alphabet pour nous connaître qui ça gagne voix, qui ça pas gagne voix. Nous prenons des exemples. Nous allons prendre tout verbe net. Et quel que soit verbe, maintenant on a qu'à conjuguer. Nous prenons oui? Nous l'avons. Ok, voilà. Ok, qui ça nous est là? Garde dans l'air, ou bien on garde écran ou bien là? Qui ça nous est là? Nous est qui ça? Nous est qui ça? Help, pas vrai? Comment dit-il? Help. On garde payer pour nous. On fait payer pour nous. Est-ce que c'est voice ou bien voice? On allez. Voice. On voice. On voice, quand c'est pas vrai? Qui sont là pour ajouter des? Est-ce que vous avez? Ok, on fait bagaille. Bon, m'écrit là. Nous H, E, L. Ok, bon, écrit là tout. Pour nous carrer là. Nous gagnons là, ouais? Ok. Comment ça prononcer? Comment dire? Helped. Où t'es de mieux, oui? Dis ça, moi. You? You helped me yesterday? Yesterday. Pas besoin de help là, non? Le voile parle, pas besoin de dire goût, mais vous dites help. Tu vois, pas grave. Nous besoin de connaître seulement. Et comment vous montrez nous? Nous parlons, ouais? Le voile parle. Ou pas besoin qu'on principe ça ou pas parler là. Définis explique yo là, quel que soit verbe qui paraît devant ou pas besoin qu'on pièce formule. Mettre blier tout net. Et puis on va voir quel que soit verbe là, on va dire sans que on pas besoin pièce principe. On va le montrer non?
automatiquement vient montrer nous vient capter son il vient tout être là haut depuis je l'appareil devant baou sans pas besoin qu'on est est-ce que c'est consonne qui gagne voix consonne qui pas gagne voix pour ce qu'on peut faire qu'on bagaille ça avant et ça question soit posée mais non automatiquement vient expliquer ça là que soit verbe maou là on prononce là n'a regardé un voice consonant ça sound qu'est-ce que ça veut dire yo dit toute lettre ça regardez bien mais peu après p qui ça encore k f s h g h c h s s c x tout ça yo début au terminé non verbe non fin verbe allié attendez oui l'a ajouté ed à la baisson OK. Mais puis on va vérifier quelques mots qui gagne son nom voisin. Prend pays pour nous rentrer en pays. Lis ça moi. Pat. Et ça comment dit-il? Kite. Comment dit-il? Kite. Est-ce que ça gagne voix? Non, il va gagne voix. Allez kite, dis-le moi. Kite. Mettez mes noms. Allez kite. Est-ce que c'est une figuration? Non. On allez, dis ça moi kounya. Ça. Fin. Non encore. Fin. Fin, allez. Fin. Très bien. Et ça ouais, j'ai à ça, il prononce comme yon? Comme yon F. N'allez, laugh. Laugh. Ok. N'allez, tout, mettez l'en l'air tout pour une carré. Ok? An la. Et ça? Sharp. Comment dit-il? Sharp. Mettez-moi nous pour nous, snap, c'est une vibration. N'allez, comment dit-il? Sharp. Pas une vibration, ok? There is no vibration. Ok. Sharp. Et ça? Sharp. Non, quand il y a là, ça, c'est H la blouson. N'allez, chat. N'allez. Pas vu même chat non ça c'est chat ok chat et ça kiss non qu'on y a pas dit son i non m'a dit kiss on a les kiss 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 you kiss me non yeah you kiss me pas dit you kiss non you kiss. You kiss me ok et là ça c'est qui ça ça c'est qui ça cat ça c'est cat. Qui sont remarqués? Non, pas vrai, c'est ça, qui sont c'est à bail? Pas vrai? Est-ce que K a une voix? Non. Non, là. X là, lui-même, qui sont le bail? Il dit fix, non, les fix. Non, pas vrai, X là, bail son X. Non, pas là, non, pas là, non? Vous voyez le bail son X? Et même bail, on dit qui ça là, on dit qui ça, fix, pas vrai? Mais, quand il y a nous le travail, nous le pratiquer, ensuite bien. Est-ce que nous voyons ça écrit là? Nous voyons ça écrit là? Yo dit quel que soit verbe qui t'a terminé par yon nan lettre sa yo là. Le ajouter aider la baisson. Kounya an nous garder aider. Comment on dit aider encore? Help, pas vrai? Le ajouter aider à ça le bam, il bam ça? Help. Qui ça le bon? Help. Vous voyez comment fait? N'allez help. Help. We get to cook. Cook. Comment on dit? Cooked. Comment on dit? Cooked. Cooked. Non encore? Cooked. Et ça, lavé. Wash. Comment on dit? Washed. On va dire washed, non? On va dire ça? Washed. Ok. Kounya, on nous garde ça. Nous gagnons miss, pas vrai? Miss. Miss, l'ajouter aider. Qui ça l'album? Missed. Comment on le bon? Missed. Et kounya, nous allons pratiquer qui est que nous gagnons consonne qui gagne? Qui gagne son, qui gagne voix, pas vrai? L'on dit neuf, comment on dit neuf? Nine. Comment on dit neuf? Nine. C'est N, ouais. On fait un mètre, mais nous encore pour N. N, allez, ouais. Nine. Vous pouvez dire neuf là, en vibration? Il vibre. N, allez, dire même, ouais. Love. Yes, love. Vous pouvez L là. Ici. N, allez, red. Red. Ok. Ici. Boat. N'allez, boat. Boat. Ok. Ça veut dire boat encore? Bateau. Et ça? W. Water. N'allez, water. 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 Ok. Et ça? Moon. Comment dire? Moon. Et ça? Very. N'allez, very. Ok. Et dernier, c'est qui ça? Zoo. Ok. Mettez mes roues, bon son Z là, moi. Zou, non, les mouais, zou. On va sortir de vibration. Eh bien, toute liste ça y est là. Depuis un verbe terminé par un là-dedans, yo, l'a ajouté EDA. La bonne qui sont? De. La bonne qui ça? De. Qui sont la bonne?
D. Ok, nous voilà. Qui va nous gagner? To call. Principe là, dit qui ça? Lorsque le terminé par yon dans l'être sa yo, m'ajoute ED, la bombe son D. Kounya m'y a le verbe to call, qui l'être nous gagne là? Nous gagne ce qui ça? N'est pas L? L. N'a l'air L. Kounya, l'en ajoute ED, les bombes sont D. Après, on dit qui ça? Called. N'a comment dit? Called. You called me yesterday. Tu gagnes bien? You? You called me yesterday. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez là? Mais qui ça nous remarque le mot save? Nous, il termine pas qui ça? Bon son, pas qui ça le termine. Pas demander son nom, pas qui ça le termine. Non. À la bien, non? D'accord, le voisin, oui. Mais pas qui ça le termine, même. De to save. Il termine pas E, pas vrai? Tout le termine pas E. Et mais c'est pas E qui est important, pas tant de son E. C'est son V, entendez? Quand il me dit save, quand il a pour passer, ya, ça me fait là. Est-ce que c'est D, m'ajoute ou bien D? D. D seulement, d'accord? M'ajoute D, quand il comment prononcer? Saved. Comment on dit? Saved. Si me dit où t'es sauvé la vie, me dit ça, moi. You saved my life. You saved my life. Eh? You saved. What's the groom, m'ajoute? You saved. My you saved my life. Why was it comme si montrer de la top, non? Parle de point de qui moque dans phrase là pour n'être comprendre ou pas ça parler. Puis ça fait quoi la montrer au côté sorti, mais les monde a parlé avec les pas vraiment tendé. Pas vraiment tendé si a dit des si a dit. Nous voilà non? Nous va faire sur ça après. Nous dit ça en offer. Le passé me dit en offered. Comment dit? Offered. Offrir. Offered. Kounya nou pa fè pratik. Nou la. Awe? Pratik. Practice. Yeah, you guys ready? Ok. Nou gen 40. Awe? 40. Nou pral di m ki son bay. Eske se t? Eske se d? Eske se ed? Tale oui. Ma mede lan li sa bou nan. Mon pou kompito. Kounya nou ajoute ed la den. Nou ajoute ed. Comment la prononcer? Counted. Ok, mettez counted. Mettez counted là. Counted. Counted. Ok, vous comprenez? On prend, ok, je vais checker ça. On a jump. On a ajouté ED, pas vrai? Ok, on a ajouté ED. Comment la prononcer? Jump. Ok, vous dites ça? Jump. Qui sont bail? T ou bien D ou bien qui sont bail? Jump. Ou pas ce groupe, mais non, on finit de dire seulement gâte qui sont baï. Qui sont le baï? Qui sont le baï? T'es, ou le baï, t'es, sont pas ce groupe, mais? C'est dropped. C'est dropped. C'est dropped, pour nous. C'est dropped, pas vrai? Bon, sont, pas vrai? Jumped. Ok, bon, checker ça. Nous disons washed, pas vrai? Nous devons faire ça déjà, oui? Qui sont la bombe? Washed. Ok, les bombes sont qui ça? Ok, washed. Ah, n'a bien passé là, oui. Ok, toi, quatrième nom. Nous disons fix, ah ouais? Fix. Là, j'ai dit, des salabam. Qui sont les bambes? Bonne réponse là. C'est ça, vous dites. Ma bloque, on va pour l'autre monde. C'est fixed. Ok, c'est fixed. Ah ouais? Ok. Nous voilà. To dance, pas vrai? Ok, dance. Non, ajoute, non, ajoute dekounia. Qui ça, qu'on a prononcé? Dance. T. Faut dire, est-ce que c'est t? Ou bien est-ce que c'est d? Qui ça lié? T. Dance. Danced. Très bien. Ok, ça a répond. Danced. Il y a damaged. D. Qu'est-ce qu'ils ont bon? D. Damaged. Ils ont bon d. Ils ont mieux, c'est le dégain là. Pourquoi il veut? Oh, mon gars. D. Damaged. Nous disons play. Oh, ça, mon piège lié. Mais on s'en a pris, non? Mais, nous mettons 10 ans, nous avons play. Qui sont eux? D. Ok. Mais, c'est facile. Mais, est-ce qu'on mettons Y là-dedans? Est-ce qu'on mettons Y dans l'explication? Non. Mais, comment on fait deal? Et quelle chose ça m'a posé, non? Il vit naturel. Pas seulement ça, il vit naturel. Il vit naturel là, caillou. Non, oui.
Donc, tu vois la fin naturelle là, comme on dit, played, pas vrai? Mais, comment on dit essayer en anglais? Try. Ok. Ok. Kounia, nous pouvons dire, t'es essayé au passé, pas vrai? T'es essayé? Aïe, je vous en prie. Qu'est-ce que ça fait là? Ça c'est? Tried. Comment on dit? Tried. I tried it. Ça me dit là, I tried it. Non, I tried it. M'essayé. I tried it. Comment on dit? On dit que ça, I tried it. Faut pas venir de signe dire comme ça, non? I tried it. I tried it. I tried it. Jouer en anglais, c'est play, pas vrai? Au passé, on dit que ça? Played. Ok. On finit avec ça. Nous dit décider. Decide. S'il ne parle pas de, qui ça l'a prononcé? Decide. Decided. Decided. Nous qui lève, pas vrai, habiter, pas vrai, lève. Quand il y en a ajouté D, comment dit-il? Lived. Comment dit-il? Lived. C'est lived. Yeah, I lived there. Ça me dit là, I lived there. Yeah, il était habité. Il était habité là, yeah, I lived there. Lived. Nous qui stop, le passé. Qui c'est la bombe? Stop. Ok. Stop. Ok. Nous gagnons. Apprendre. Yeah. Comment dire? Yeah. Ça a piégé. Ça a doit la ville. Comment vous prononcez? Hein? Nous gagnons tout le monde, pas vrai? Ok. Learn, pas vrai? Learn. Il termine par N. Là, je te redis, ça la bombe. Yeah. Learned. Mais, il learned. C'est ça le bon, bah ouais? De côté, même si c'est D qui est lié à cause de N, ou après, il y a un côté où c'est T qui le prononce. Waited? Wait, c'est attendre. Wait someone. Wait for me. Tell me. Yeah. All right. La mettez fin pour le sujet. You're welcome, guys. Have a great night. Okay, bye-bye.